Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le Bitcoin, on va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai coupé le Bitcoin en session, je l'avais présenté sur la vidéo précédente. Donc là, on va partir du week-end, donc là c'était le week-end ici. Ok, j'avais une distribution, comme je vous l'avais dit, qui se mettait en place. Donc ici, le BC, ici l'UEA, UT, UTAD. Donc il y a un peu, on va ici zoomer un petit peu, regarder par session. Là, on a élevé ici le mouvement du week-end. La session Asiat a poussé vers le haut, nous a fait le plus haut ici, l'UTAD. À partir d'ici, on a entamé notre correction vers le bas pour valider notre distribution. Donc là, ici, on a eu ici la session londonienne, session new-yorkaise qui a fait chuter le prix fortement. La session de lundi, donc on a chuté fortement. On est venu créer ici un équalo, donc c'est de la liquidité en attente, deux niveaux au même niveau. On a retracé vers le haut sur la session asiatique, donc on a fait ici un retracement. London, New York a fait une séance de latéralisation, on a latéralisé. L'ASEAN ici avait poussé, donc il a poussé une deuxième fois pour faire un retracement. Et là, à l'ouverture londonienne, on a eu la grosse ici impulsion baissière qu'on a eue aujourd'hui 7 décembre, donc mercredi 7 décembre. Cette descente ici qui est venue chercher la liquidité de cet équalo, d'accord? En faisant une belle descente ici. Bien sûr, cette descente n'est pas terminée car on a ici un déséquilibre de marché ici. Et pour valider toute cette distribution-là, on doit aller chercher le plus bas créé, je pense, le Lolo ici, faire un nouveau plus bas. D'accord? Déjà péter les 15 996 et aller chercher beaucoup plus bas. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Il l'a pas encore fait car il doit encore, comme je vous l'ai dit, travailler ici au niveau de cette zone. Donc, il nous a montré l'intention de descendre. Regardez. Une A, une B, une C. Donc il doit ici travailler un petit peu. On va peut-être faire un petit plus bas ici. Repartir ensuite vers le haut. Aller faire un petit retest de la zone ici. Provoquer ici les achats. D'accord? Pousser ici vers le haut pour que les gens achètent BTC pour créer de la liquidité. On a un déséquilibre de marché sur la zone ici des 17 172. On peut aller le chercher bien sûr. C'est un déséquilibre de marché. On peut rééquilibrer ici le marché pour repartir ensuite vers le bas, vers l'objectif final. Donc l'objectif final serait plutôt, bien sûr, créer un nouveau plus bas, pourquoi pas les 13 000, 13 800 dans cette zone-là. Mais pour l'instant, on va y aller step by step. Je vais pas me projeter trop loin. Pour l'instant, on est là. On a fait ça ce matin. On latéralise sur la session ici, fin de session londonienne et session new-yorkaise. D'accord? On va voir la session asiatique, ce qu'elle va nous faire. Est-ce qu'elle va lui faire ici un plus bas, aller chercher en bas? Je pense que oui. Et retravailler la zone ici. Si je viens ici sur ce graphique-là, donc un autre graphique sur le BTC, d'accord? Où on a ici cette descente ici, ce low qui a été créé. On a créé ce high ici. Donc à partir de ce high ici, on a eu ce sommet ici. On a retracé, on a fait un plus bas. À partir de ce plus bas qui était ici, on est monté. Donc on a créé ici une hausse et on remarque bien ici notre distribution qui avait commencé ici, BC, UA, UT, UTAD. Et on voit que le prix ici, il avait de la force, ici la force encore, et ici la force commençait à diminuer. Donc forcément, le retournement ici vers le bas était plutôt logique car on avait une latéralisation qui commençait et un essoufflement de ce mouvement haussier, d'accord? Ce mouvement haussier court terme. Bien sûr, c'est juste un retracement. Car pour l'instant, l'order flow reste baissier sur BTC. D'accord? On n'a pas d'order flow. Pour l'instant, haussier, on a haussier en monthly, en weekly, mais en daily, pour l'instant, l'order flow reste baissier. Et on travaille, on travaille, on va chercher, ok, des points intéressants de plus en plus bas. Donc quand on fait des montées, c'est pour prendre de la force pour aller ici vers le bas, jusqu'à aller chercher un target intéressant où le volume augmentera au maximum pour pousser ensuite le prix vers le haut. On y va step by step, ça met du temps. La date fatidique, bien sûr, on n'oublie pas.
Monsieur Powell le 14 décembre qui va nous donner ici une attention. On remarque bien ici, on avait ici une compression du prix. Donc le prix, il a compressé. D'accord, ceux qui traînent les triangles par exemple, il a compressé, il a poussé vers le haut. Donc après, si une personne est plutôt chartiste, donc il va faire quoi? Il va acheter ce triangle de compression, mais derrière, hop, le prix, il redescend direct. Donc ça, c'est un gros, gros piège. Faut faire très attention si vous tradez les figures chartistes qui ne sont plus pour moi d'actualité à trader. C'est plutôt, on crée de l'argent, on crée de la liquidité, on va la chercher en haut, on va la chercher en bas, c'est tout. Donc faites attention si vous tradez par exemple les triangles. Il y avait ici donc déjà ici une belle information ici sur de la liquidité. Ici comme je vous l'avais présenté, je vous avais dit ici c'est un support où il y a de l'argent. On remarque bien ici donc c'est un support où le prix est acheté, acheté, acheté. On incite à acheter et derrière on vient le prendre. Ok, car c'est de l'argent qui est proche et très facile à prendre. Donc on vient le chercher ici. Ok, donc on va créer bien sûr le même principe ici, inciter à acheter. Les gens vont dire hop, c'est un bon prix d'achat. Mais pour l'instant, regardez juste ici, il y a un beau déséquilibre de marché sur cet endroit ici qui n'a pour l'instant n'a pas été inquiété et il est proche du prix. Donc pourquoi pas aller le chercher, d'accord, vu qu'il est proche du prix. Ok, voilà sur ce, pour moi on est sur une distribution. Bon, pour moi, je pense pas que je me trompe, d'accord? Là, je vois bien, donc c'est bien clair comme mouvement, mouvement de prix, hausse, retracement, hausse. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et en plus, une distribution qui s'est mise en place. Donc si on va chercher cette distribution qui a débuté ici, bah, pour moi, donc on va chercher ici ce niveau le plus bas. Ok, mais step by step, on a toujours, tu sais, on peut avoir toujours des surprises. Mais en ce qui concerne le niveau technique, c'est ce que je vois personnellement. Ok, voilà, je vous le partage, je vous fais la petite mise à jour. Sur ce, si trading n'est pas un conseiller financier, c'est juste un passionné d'analyse technique et il vous partage son point de vue sur le mouvement du Bitcoin qui se passe en ce moment. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et bonne nuit à tous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Et de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et de nouvelles aventures BTC ou bien d'autres altcoins. Là, on va regarder ce que va faire le BTC sur la session ici asiatique. Donc, le prix ici a démarré d'ici. Et on va regarder ce que va nous faire le prix. Je serai plutôt vers. Là, c'est la session new-yorkaise. Je serais plutôt pour une descente ici vers le bas sous ce plus bas ici qui a été créé. On va le voir. Pour l'instant, il va travailler. On va voir. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.